Bonjour à tous, mesdames, messieurs et menestres, et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Spotify, Facebook et Instagram, à écouter nos autres épisodes avec ou sans invité, et si vous en avez les moyens et l'envie, à nous soutenir sur Utip. Je m'appelle Emmanuel Henbert, je serai la présentatrice du jour. J'ai avec moi, à ma droite, l'incandescent Hicham El Hamouri. Frouf. Et à ma gauche, la scintillante Ise Brassel. Je suis là. Eh bien. Elle vient de se matérialiser hors de nulle part. Elle n'était pas là il y a deux secondes, alors que nous sommes chez elle en plus. Dans un nuage de poussière. Dans un nuage. Poussière de minou. Dans de minou qui sent la poustache. Qui sent l'arbre à thé. Tel le diffuseur d'huiles essentielles. Eh bien, comment est-ce que vous allez en ce 21 février 2022 ? Ça passe. Bon ? Ça passe. Ça passe. Tranquille. La vie est belle. Oh oui, écoute, j'ai mangé des pâtes aux champignons hier. Le 20 février, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai joué un spectacle. Voilà. Oh, t'as joué quoi le 20 février? Je sais pas. Okay. Ça va. Je vais m'arranger pour que ça arrive. Trop bien. On se met des défis. Des défis pour d'ici 3 mois. Chut, c'est la production. Et toi, Hicham, du coup? Quoi? Comment ça va? Ce 21 février. Ça passe. Comme c'est le camion bien. Dans le garage, ça passe. Il a mangé le dernier Ferrero Rocher. C'est vrai. Coinc. Mais ouais. Moi, à l'heure actuelle, je dois sûrement être en train d'un peu stresser parce que dans 2 semaines, je commence à jouer Le Songe d'une nuit d'été au théâtre de poche. Et oui, petit moment autopromo. Donc je joue dans Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, revisité par Jean-Michel Daupe, un super metteur en scène, et la compagnie Point Zéro, qui est une compagnie de marionnettes. N'hésitez pas à venir me voir pendant tout le mois de mars au Théâtre de Poche à Bruxelles et la deuxième quinzaine d'avril au Jean Villard à Louvain-la-Neuve. Et a priori, il y a bien moyen qu'il y ait une tournée l'année prochaine, mais ça, ce sera pour plus tard. Oui. Oui, c'est assez formidable. Eh bien, nous ne sommes pas là pour parler de ma reconversion artistique et de cette splendide pièce que je vais jouer. Nous sommes ici pour un épisode de On n'a rien préparé, c'est-à-dire environ 30 minutes d'émission. 3 improvisations, du rire, du fun, de l'inattendu. Et ça commence maintenant. Rire, fun, inattendu. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Eh bien, chers spectateurices, d'après vous, qui correspond à rire, qui correspond à fun et qui correspond à inattendu dans la Sainte Trinité? Je pense que je correspond aux trois. Qui se vient d'établir. Vous n'avez rien! Vous n'avez rien! Il a tout pris! Eh bien, la première improvisation, en tout cas, ce n'est pas Hicham, parce qu'il peut tout prendre, sauf l'ordre des impros. C'est Ise qui nous la présente. Quelle inattente! C'était si inattendu! Bref, oui, je vais vous proposer une interview sportive. Nous avons les interviews littéraires par Manu, les interviews scientifiques par Hicham et moi-même, je vous propose des interviews sportives. Comment cela se passe? Manu, tu seras la présentatrice d'une émission sportive. Formidable. Et Hicham, tu en seras le sportif. Et tu es un sportif qui pratique ce sport bien connu, voyons, qui s'appelle l'octopouche. C'est peur. Un vrai sport. L'octopouche. Il était pratiqué par 4 personnes en Nouvelle-Zélande il y a environ 25 ans. Pendant 3 semaines. Ils ont déposé un brevet. Ok, très bien. L'octopouche. Prête? Tout à fait. C'est parti. Bonjour à vous. Amoureux de la mer, amoureuse des embruns, mais surtout passionné par toute activité en rapport avec ce milieu si étrange et si inconnu de nous, pauvres humains et humaines. Aujourd'hui, je reçois une personne assez formidable qui vient nous parler d'une pratique tout aussi inattendue que belle dans sa propre manière. Monsieur, je vous laisse vous présenter. Merci, mademoiselle. Sébastien Canebière. Voilà, je suis très honoré d'être dans cette émission parce que vraiment, l'amour à la mer. Vous nous écoutez régulièrement? Non, parce que j'ai pas la réception de radio, mais j'aime beaucoup.
Très bien. J'aime beaucoup l'esprit. Merci beaucoup. La mer, c'est un peu notre berceau à tous, le berceau de la vie. Absolument. Et c'est un peu là que nous reviendrons. Enfin, moi, j'espère un jour pouvoir mourir en mer. Ah oui, vous avez signé pour qu'on relâche votre corps en mer. Exactement, oui. Parce que je pense que c'est y retourner un jour. Formidable. Mais nous ne sommes pas ici pour cela. Pour parler d'enterrement en mer, enfin d'emmerrement, je vous donne rendez-vous à 18h avec Sébastien Von Punch. Mais aujourd'hui, vous venez nous parler d'un sport particulier. Oui, c'est une activité qui commence à se pratiquer à niveau compétitif professionnel. On appelle ça l'octopush. En fait, c'est une sorte de biathlon sous-marin. L'idée, c'est qu'on fait du snorkeling, donc au tuba, et on doit choper une pieuvre et ensuite déplacer des rochers en la collant au rocher avec et faire des sculptures. Dans un temps chronométré, bien entendu. Et est-ce qu'il s'agit de pieuvres apprivoisées? On chope, ça se pratique que dans les régions où il y a une population suffisamment dense, mais on doit trouver une pieuvre. C'est le premier défi qui est qui est sans doute la partie la plus difficile, c'est de trouver une bonne pieuvre, quoi. Mais alors je veux dire, une fois que vous avez trouvé la pieuvre, vous lui donnez un petit peu de nourriture, vous établissez une connexion. Non, on la chope par la tête et on la fouette contre les rochers pour que les ventouses s'accrochent. Et ça colle, la plupart du temps ça colle, parce qu'avec la douleur en fait il se contracte et hop. Ah oui, avec la douleur, mais oui. Du coup, une fois que vous avez amené le rocher à destination, vous offrez quand même une récompense à ce pauvre animal. On doit choper d'autres rochers pour faire la figure prédéterminée, on doit faire des figures en rocher, et donc il faut le faire avec tous les cailloux, comme ça. Mais alors, ces cailloux sont sans doute... abrite sans doute toute une variété d'espèces qui se sont adaptées, qui ont fait de ces rochers leur maison. Il faut des cailloux, quoi. Oui, très bien, mais alors... Le difficile, c'est quand il faut des gros cailloux pour des grosses figures. Alors là, on se met en équipe, on se met par 3-4 avec nos pieuvres. Mais parfois les pieuvres cassent, alors il faut en chercher une autre. Vous voulez dire elles sont blessées. Sa tenue de pieuvre, quoi. Vous voulez dire elles sont blessées, ce sont des êtres vivants, quand même, les pieuvres, d'ailleurs. Mais quoi? Rien, écoutez, je... Très bien, nous nous ouvrons à des pratiques différentes. Je crois que nous allons refermer cette page. Ah ouais, déjà? Oui, parce que je pense que vous avez suffisamment parlé de ce sport qui a l'air absolument... On n'en est pas encore parlé du fait de faire les figures à plusieurs pieuvres. Je vais vous demander de vous taire et je vais vous demander de sortir de ce studio. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais quelle horreur! Quelle horreur! On casse les pieuvres sur les rochers. Et oui. Au secours. Ouais. Pauvre pieuvre. Pardon. Ouais, et heureusement, t'as pas parlé d'utiliser le bec de la pieuvre pour venir sculpter le rocher avec ce genre de truc. Non. Oh, quelle horreur. Dis-nous ce que c'est pour du vrai. Je m'excuse pour ça, pardon. Pardon le monde. Ne t'en fais pas. Je demande pardon. Parce que dans la vraie vie, ce n'est pas ça l'octopouche. Ah. L'octopouche, c'est tout simplement l'autre nom pour le hockey subaquatique. Mais oui, voyons. Mais voyons. Merci, Ise. Maintenant, tout est clair. Oui. Pourquoi octopouche? Eh bien, écoute, je ne sais pas. Va leur demander. Je ne sais pas. Non, ils sont 6 par équipe. Ce sont des manches de 15 minutes. Je ne sais plus combien de temps. Je sais des cartons ou des mi-temps, mais en tout cas, c'est 15 minutes. Il y a un arbitre subaquatique et un en surface pendant que les équipes s'affrontent en devant mettre un palet de 1,5 kg dans un but adverse. Et donc, tout le monde avec des bonbonnes d'oxygène et tout? Non, avec des tubas. Snorkeling, vraiment. Tuba et tu as ta petite crosse subaquatique et tu dois pousser le palet. Ça doit être ultra physique. C'est en piscine ou c'est en... Ouais, okay, ils ont tenté, mais visiblement, ça demande un sol glissant pour le palet. Ah, le palet glisse quand même au sol. Oui, exactement. C'est ouf, hein. C'est vraiment complètement débile. Ça a été créé en 1954 à Portsmouth. Portsmouth. En Angleterre. Portsmouth. Ok. Waouh. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais oui.
Il y avait des champions du monde, des trucs de malades. C'est pas parce qu'il y a des champions du monde qui sont nombreux. Non, mais regarde, et a priori, ils ont plus de chances d'être quoi? Il y a tout un palmarès comme ça de gens. C'est vrai que pour avoir moi-même merde. Organisé un mondial ado, où en fait il y avait 4 pays, ouais. Il n'y a pas besoin d'être beaucoup pour qu'on devienne champion du monde. Oui. Oh. Ce qui ne retire rien à la qualité des ados qui oui, participaient. Oui, hein, quand mais... même, surtout ceux qui ont gagné, Damned en 2019, toi-même tu sais. Ok, waouh. Eh bien, merci beaucoup. C'est vraiment complètement débile. Oui. Bah, c'est pas très fascinant à regarder, je dois avouer. Ah, t'as regardé ? Bah oui. On a vu, ça va être plus cool à faire qu'à regarder, ouais. Oui, je pense. Ensuite, bon, on juge, mais il y a plein de sports bizarres quand on y réfléchit, en fait. Quand tu réfléchis à toutes les règles, tu fais genre. C'est un peu chelou, quoi. Oui. Et même pas, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'au curling, je pense. Il y a des trucs qui sont. Ah non, il y a des règles du rugby qui sont étranges. Mmh. Qui amènent à une phase où les gens essayent de mettre le ballon hors jeu régulièrement, mais proche de la ligne adverse. Enfin bref, nous ne sommes pas là pour parler des règles étranges des sports. Merci beaucoup, Ize. Avec plaisir. Nous allons enchaîner avec la deuxième improvisation du jour que je présente. Oui. Et il s'agit d'une marabout. Ouais. Donc c'est très simple, c'est un classique. Oui, ça. La dernière syllabe ou les derniers sons d'une réplique forment le début de la réplique suivante. Bravo. Et oui, voilà. Et vous allez jouer cette improvisation à deux, potentiellement. Je pourrais, par exemple, venir en service, si je le juge nécessaire. Mais a priori, vous restez à deux. Votre mot sera hélicoptère. Hélicoptère en marabout. Attention, c'est parti. Appuie sur le signal, il faut qu'il vienne nous récupérer. Ré, mi, do, c'est ça? Et j'ai appuyé sur des notes, c'est ça que je dois faire? Erika, je ne comprends pas, on a fait le briefing combien de fois? Fois de scout, j'ai tout étudié, mais je suis pas sûre d'avoir étudié le bon manuel. Et les ennemis sont là, ils nous canardent, il faut absolument qu'ils viennent nous récupérer, il faut qu'ils nous sortent de là. Mais non, t'en fais pas, ça va bien se passer. Je vais faire avec mon instinct, je vais tirer là-dessus. Ré mineur. Heure réglée à H.2 de Tokyo. Oh, ça marche! Oh, ça marche! Ah, t'as vu, mon instinct est plus fort que les manuels. Et l'hélicoptère n'arrive que dans 2 heures avec l'heure que tu as réglée. Oh non! Et merde! D'ici une minute, les roquettes ennemies détruiront l'intégralité de la structure du véhicule. Ultime chance de s'en sortir. Il faut... On va passer par le tunnel de service, par les égouts. Goûte à ma manœuvre que je vais faire pour aller jusque là-bas. Maintenant, c'est les doigts dans le nez. Yeah. La Jeep est détruite. Il nous reste plus qu'à courir. Cours, cours, Erika, cours. Cours toi-même! Moi j'ai manœuvré pendant des heures! Moi je reste devant l'hélicoptère! Si tu me fais pas confiance, tant pis pour toi! On appelait l'hélicoptère. Hein? On était dans un hélicoptère? C'était pas clair. Ouais, je manœuvrais un hélicoptère. Au début, je crois que vous étiez dans un hélicoptère. Ah bon? Ah ouais? Il est devenu une Jeep. Ah ouais, ok, d'accord. En fait, c'est un hélicoptère Transformer. Confusion, mais pas du tout. Persuadée d'être dans un hélicoptère. Ah, moi je pensais qu'on appelait un hélicoptère. Mais voilà, moi j'ai oui. manque de clarté de petite confusion de mon chef. C'est pas grave. Ah non mais c'était plein de testostérone. Il y avait des ennemis qui vous tiraient dessus. Des oublis de consignes aussi. Mais alors non, parce que vous vous rendez compte très vite. Et puis, on a réglé une horloge sur l'heure de Tokyo, ce qui n'arrive pas souvent en impro. Non, c'est ça, mm-hmm. Exactement. Et ça c'est beau. Et quelle heure il est à Tokyo d'ailleurs à Tokyo, plus 6, plus 8, un truc comme ça, c'est beaucoup, pas mal d'heures en plus. Il est plus tard que nous, parce que le soleil est d'abord passé par chez Zéleu, et puis le soleil vient chez nous. Donc il est plus tard à Tokyo qu'ici. Oui, c'est ça. A priori. Waouh. J'aime bien faire ça parce que tu vois, ça raccroche à un truc logique, ce truc très arbitraire qui est l'heure. C'est quand même très arbitraire, l'heure. Je comprends pas ce que tu veux dire. Le concept d'heure, c'est un concept qui est ultra arbitraire, quoi. Tu vois, quelle heure il est, en fait, c'est Ok, d'accord, ok. En fait, c'est parce que le soleil fait un... Ça m'aide à me dire, non, en fait, il y a un sens derrière, et ça... Enfin, bref. Voilà, on n'est pas là pour me rassurer sur la métaphysique du monde dans lequel on vit. On est là pour faire de l'impro et laisser Isha nous présenter sa superbe catégorie. Oui, je vais vous proposer une
Ambiance musicale. Yes. Et pour cette ambiance musicale, je vais juste vous mettre une musique dont vous allez vous inspirer pour faire une improvisation. Je ne pense pas que je vais vous donner de mots parce que je pense que vous pouvez déjà vous amuser avec ce que ça va générer comme ambiance. C'est parti tout de suite pour vous deux. Bah oui. Go. Je ne comprends pas, maître. Il faut qu'on l'ouvre, Hector. Mais tant de gens vont mourir si on ouvre ce coffre. C'est possible, Hector, c'est possible. Mais imagine tous les secrets qui sont dans cette boîte, tous les secrets qui sont dans ce coffre. Ça ne peut pas être juste. Maître, cela fait 15 ans que vous me formez et que je suis le moindre... de vos commandements, le moindre de vos instructions, mais... Hector, tu ne sais pas ce que tu fais. Je pense que je sais très bien ce que je fais, maître. C'est parce que le commandant t'a parlé. Tu as encore parlé avec le commandant, il est entré dans ton esprit, il est entré dans ton ambition. Vous ne devriez pas être si attaché à ce que je ne tienne compte que de votre part de la vérité, maître. Mais c'est la seule vérité qui compte, bon sang. Il faut ouvrir ce coffre, il faut trouver ces documents. Et sinon quoi? Si on n'ouvre pas ce coffre, qu'est-ce qui se passe pour nous? Hein? Dans ce cas... Eh bien oui, si c'est le cas, peut-être que moins de gens mourront. Mais c'est pour sauver le futur, tu comprends? Pour sauver votre futur, maître. Il faut qu'on détruise cette usine. Pour sauver votre futur, maître. Cette usine, finalement, elle peut amener du bien aussi aux gens. Elle peut créer des vaccins. Elle peut aider à combattre le mal. Mais vous voulez simplement le remède contre cette maladie qui vous guette, mais... Non, ce n'est pas vrai. Si. Non, ce n'est pas vrai. Si, le général me l'a dit. Il a dit que vous cherchiez un traitement pour avoir la vie éternelle, mais toute chose a une fin, maître. C'est ce que vous m'avez appris il y a longtemps. Et peut-être qu'il faut simplement que vous acceptiez que vous arrivez à une fin, même si ce n'est pas la fin que vous avez choisie. Tu penses sincèrement que tu me fais peur avec ce couteau? Tu penses sincèrement que tu me fais peur? Si je ne peux pas t'avoir dans mon camp, eh bien tu seras contre moi. Ah, la prise. Le retour de couteau. Ah oui, qu'est-ce que ça fait d'être menacé maintenant? Bien, allez-y, tuez-moi, maître. Je sais bien que seul vous ne pouvez pas ouvrir ce coffre, que c'est pour ça que vous m'avez formé. Sans moi, vous n'êtes rien. Eh bien, j'essaierai sans toi. J'ouvrirai ce coffre sans toi. Va-t'en! Non, maître, vous allez vous brûler. Non, maître! Maître, que faites-vous? Non! Maman! Non, je ne vous aiderai pas, maître! Ah, mon autre main! Je suis en train de brûler partout! Non. Je brûle! Non, maître, c'est vous qui vous infligez ça! Non, attendez! Maître, non! Wow. Oh là là! Oh là 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 là! Deep and Dark! Oh, c'est wow. Au final épique! Et on a réussi à déterminer c'était quoi qu'on devait trouver! C'est bon! Bravo! C'est quoi, bordel? C'est on a, quoi? On a évité, on a évité l'écueil de, je pense, de la propriété. Oui, c'est ça. On a trouvé, c'était une usine! Ouais, bien joué! Yes! Qui pouvait faire un vaccin! On a oui. Sorti une information concrète! Youpi! Waouh! Voilà. Voilà. Alors, je comprends mal en quoi ouvrir ce coffre fait que cette usine va être détruite ou je sais pas quoi. Il y a des documents dedans, je l'ai dit. Oui, des documents qui disent où est l'usine. Ah, vous savez pas où est l'usine? C'est ça. Non, c'est le grand bâtiment, mythique. Ce n'est pas ça. Oui. On ne sait pas laquelle c'est exactement. Une usine furtive. C'est ça. Une usine furtive. Dans un monde où les antivax ont gagné, les usines à vaccins se lâchent. Et ne sont accessibles qu'à quelques-uns. Eh ben. Oh non. Ah là là. On ne peut pas s'empêcher de distiller nos propres peurs dans ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Non, ce serait, en vrai, ce serait un super pitch post-apo, non?
Il y a une usine furtive qui crée des vaccins et qui essaie de les injecter aux gens contre... Oui. Non ? Je sais pas. Peut-être j'avoue pas, que moi, j'étais pas tellement impliquée dans l'histoire de vaccins. J'étais impliquée dans le fait qu'il y a un coffre. Et mais oui, évidemment. Non, mais évidemment. Je peux l'ouvrir. Évidemment que c'était l'enjeu, mais du coup, bref. Oh non, je viens de penser à... Oh, pardon. Ouais. Voilà. Et donc, le maître se brûle et meurt brûlé d'avoir essayé d'ouvrir le coffre. Ouais. Lui-même. Ouais. Parce que TGCM. Hubris. Parce que TGCM. Hubris. Très bien. Hubris. Et bien sûr, c'est un pro épique à souhait. Merci beaucoup, Hicham, pour ce oui, très très beau fond sonore. Très beau fond. Je vous en prie. Nous enchaînons sur les coups de cœur du jour. Alors... C'est pas du tout un truc libre de droit. Ah, trop bien. On va commencer à payer des gens. Ouais. Non, on va commencer à ne plus pas gagner d'argent sur notre, l'argent qu'on ne gagne pas. Et voilà. Que c'est quelqu'un d'autre qui va ne pas gagner d'argent. Yes, c'est beau. C'est beau. Enfin bref. Eh bien, Ize. Oui. Quel est ton coup de cœur du jour? Eh bien, mon coup de cœur du jour, c'est pour un jeu de société. Qui s'appelle... Quoi ? Rien. SOS... Non, 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 même pas. Un jeu de société qui s'appelle Carac. Carac. Ouais. Compétence. Carac. Et en plus, c'est un palindrome, c'est génial. Yes. K-A-R-A-K. Bref, Carac, c'est un jeu qui peut réconcilier beaucoup de gens autour du jeu de société. Et ça, j'adore ce type de jeu qui permet que tout le monde puisse jouer. C'est un jeu de donjon avec des personnages, avec des caractéristiques très différentes les uns des autres, mais avec un objectif commun qui est de trouver des trésors et tuer un dragon. Donc c'est hyper simple, mais c'est hyper kiffant pour ceux qui sont à fond dans le jeu de rôle et c'est hyper kiffant pour ceux qui n'y sont pas. Et bref, j'aime beaucoup ce type de jeu qui harmonise tout type de niveau de hype autour des jeux de société. Mmh. Et en plus, c'est très facile de se faire des petits coups de bâtard. Donc c'est très très chouette. Je vous recommande Carac pour jouer avec vos et potes. Quoi, du coup concrètement c'est de l'exploration de donjons. Exploration de donjons. On bouge sur une carte et on... La carte n'est pas encore créée, tu la crées au fur et à mesure. D'accord. Et au fur et à mesure que tu la crées, tu fais des rencontres et ces rencontres génèrent des objets. C'est hyper simple et c'est hyper chouette. Carac, c'est un jeu de Petr Miksa et de Roman Hladik. Je suis désolée si je le prononce mal. Édité par Albi. Ça peut être de 2 à 5 joueurs, à partir de 6-7 ans. Trop bien. Eh bien, merci beaucoup. Mais avec plaisir. De mon côté, mon coup de cœur, c'est pour un jeu de rôle qui s'appelle Pack Horse Library. Oh, c'est un jeu de rôle de Léonard Chabert. J'espère aussi que je prononce bien votre nom, sinon désolé. Oh, c'est le mélange entre chat et Albert. C'est très chouette, ça. C'est vrai, Chabert. Alors, est-ce que... Chameau et Albert. Oui, est-ce que... Vrai. Chapeau et Albert. Chapiteau ou chamois et Albert. Est-ce que vous saviez que dans les années 30, dans les Appalaches, qui sont des montagnes aux États-Unis, pour lutter contre l'isolement et l'illettrisme des villages et des camps de mineurs, on avait engagé des femmes bibliothécaires itinérantes à cheval? Ah! Eh bien, moi non plus. Jusqu'à ce que je découvre Pack Horse Library, qui, à partir de ce fait tout à fait réel et tout wow. à fait concret, nous propose de jouer les aventures de ces femmes. Damn. Et donc, on commence au camp de base à mettre ensemble les livres de la tournée du jour, à faire nos paquets, etc. Et puis après, on s'élance dans les Appalaches, donc dans les montagnes, jusqu'à arriver... jusqu'à arriver dans les villages où on va faire la lecture aux gens. Donc non, le jeu de rôle, ce n'est pas que Donjons et Dragons, ce n'est pas que de la baston Quoi et de l'épique. Comment ? C'est aussi une manière de créer des histoires simples et touchantes, comme ici. En plus, donc il n'y a pas de dés, c'est assez simple à jouer. Il y a un mode de jeu où chacun et chacune peut faire meneur ou meneuse de jeu à tour de rôle selon les différentes phases de jeu. On peut y jouer le temps d'une soirée ou en jeu plus suivi sur une campagne. J'y ai pas encore joué, mais ça ne saurait tarder, tant cette proposition me hype. Ah, c'est classe comme fait historique. J'avoue. C'est dingue, hein. Et donc pendant une dizaine d'années... Bah ça me rappelle Sky Witches, non, c'est pas ça que ça s'appelait ? Night Witches. Night Witches, ouais. C'est un peu le même délire, hein. C'est un peu ouais. le truc basé sur des éléments d'histoire très précis. Ouais, absolument. Absolument. Ouais. Night Witches, où on joue des femmes dans un régiment de l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale qui était composé uniquement de femmes et qui a aussi vraiment existé. Oui, tu en avais parlé, je pense. Ouais, ouais, j'en ai fait, j'ai fait un coup de cœur à l'époque. Un coup de cœur, Hicham, quel est ton coup de cœur? Mon coup de
cœur et pour un jeu de société. C'est pour ça que j'ai rigolé quand elle a fait un jeu de société. Genre, voilà. En plus, j'hésitais à faire un jeu de société sans réfléchir. Eh ben, après, un jeu de rôle, c'est un peu. Et je vais vous parler de Star Realms. Enfin, c'est long overdue. Pourquoi? Parce qu'on y joue. On y joue, ouais. Alors, Star Realms, qu'est-ce que Star Realms? Star Realms est un jeu de société avec des cartes qui se joue quasiment exclusivement à deux, qui peut se jouer à plusieurs, avec plusieurs decks ou avec certaines extensions, mais le cœur du jeu, c'est des trucs à deux. Où l'idée, c'est qu'on commence la partie avec le même jeu de cartes et en cours de jeu, on peut acquérir de nouvelles cartes pour étoffer son deck, comme on dit, ce qui permet de s'adapter à ce qui se passe et ce qui fait à terme que deux parties ne sont jamais similaires parce qu'on ne va pas avoir les mêmes besoins, que ça ne va pas se passer exactement de la même manière. Il y a donc une variance très très grande, des règles et des mécaniques assez simples et assez intuitives et du fun pour beaucoup de temps. Parce que même si les parties sont assez courtes, si c'est avec deux joueurs expérimentés, ça peut durer 10 minutes. Le nombre de parties qu'on peut faire est virtuellement infini, n'est-ce pas, Manu? Oui. Ils vont beaucoup jouer. J'ajouterais que... Je l'ai vu dans la bibliothèque d'Iseo aussi, il y est là. Ah, c'est pour ça. Il y est. Une extension. Ouais, il y a beaucoup d'extensions, comme le dit si bien Iseo, qui permettent de rajouter plus de cartes et donc plein de stratégies, de nouvelles mécaniques, etc. Ça permet de jouer tout seul aussi. Ah ouais, ouais. Ah. Ouais, ça doit être moins ouf quand même. Ah non. Je sais pas, pardon, peut-être. Je ne juge pas. Ce jeu est disponible en version digitale, c'est-à-dire sur Steam ou bien même sur mobile, gratuitement. On peut y jouer gratuitement, c'est-à-dire qu'on peut jouer contre une IA. Et pour 5 euros, on peut jouer contre une IA plus difficile ou jouer en ligne. C'est juste un seul paiement de 5 euros pour une version entre guillemets complète. Ce qui, en fait, pour une somme pareille, est vraiment pas très très élevé. On peut aussi payer pour les extensions. Il y a beaucoup d'extensions et du coup, ça revient à beaucoup d'argent quand même. Donc, bon, même les extensions physiques coûtent pas mal d'argent. Donc, voilà, on n'a pas besoin de jeu de base. Le jeu de base est déjà très cool. Moi, j'y joue encore beaucoup sur mobile parce que l'application est vraiment super bien faite, super facile. Il y a peu de personnes à qui je l'ai fait découvrir qui n'ont pas beaucoup aimé, qui n'ont pas voulu en rejouer en tout cas. Donc je vous recommande beaucoup Star Realms, c'est vraiment très très chouette, je pense que les gens autour de la table peuvent en témoigner. Oui. Star Realms, foncez l'acheter. Et j'ajouterais que justement, comme les parties ne sont pas très longues et que parfois il y a quand même des déséquilibres en début de partie par rapport à ce que l'un ou l'autre peut acheter ou pas acheter, c'est cool en fait d'enchaîner 2-3 parties et comme ça fait tourner les trucs, quoi. Ouais. Et en plus, c'est des règles qui sont faciles de se remémorer. Moi, je fais partie des gens qui adorent les jeux de société, mais qui ne se souviennent jamais de comment ça fonctionne. Genre, jamais. Un blanc total. Et vraiment, ça me permet très vite de me remettre en jambes. Donc, c'est cool. Contrairement à d'autres jeux. Et même comme ça, c'est très facile à expliquer. Ce qui prend du temps, c'est d'apprendre les cartes, de savoir auxquelles cartes on peut s'attendre, mais fondamentalement, les règles de base sont assez simples. Ouais. Absolument. Eh bien, merci beaucoup pour ce chouette coup de cœur, pour un chouette jeu auquel j'ai vraiment... Alors, j'y joue plus trop, mais à une époque, j'ai vraiment joué énormément à ce jeu. Ouais. Bref, et nous arrivons au moment formidable et fantastique de l'émission, c'est-à-dire le U-tip du jour. Oui, c'est le U-tip, le U-tip du jour. Oui, c'est le U-tip. Si vous avez bien aimé ce que vous venez d'écouter, faisant résonner vos oreilles, on vous a procuré une joie à nul autre pareil. Vous pouvez en parler à votre famille, écrire un joli mot pour vos amis, venir nous lâcher des étoiles, des likes et des pouces pour nous donner un coup de pouce. Mais si vous voulez nous donner de l'argent, venez sur UTIP pour nous faire un don du montant que vous voulez. Merci beaucoup. Yeah. Formidable. Bien, et bien voici qui clôt cet épisode. Pourquoi est-ce que tu ris, Cham? Je ne sais pas. Tu es en zoom arrière où je nous vois assis autour d'une table à faire. Donc tu vois, genre le truc où tu fais genre. Qu'est-ce que je suis en train de faire à l'échelle cosmique? C'est ça. Des trucs bizarres. Pourquoi est-ce que je passe mon lundi? Très bien. Très bien. Nous, on le passe avec vous, cher public. Oui. Et merci. Et d'ailleurs,
Je suis bien blasé parce que c'est moi qui fais les stats chaque semaine. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Oui. Nos stats sont de meilleur en meilleur. Donc merci à vous d'être fidèles au rendez-vous. Merci à vous de venir nous écouter toujours plus et de revenir de fois en fois. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Mm-hmm. Il me reste à vous laisser la parole pour un dernier mot. Hicham, un dernier mot. Oui. Ize, un dernier mot. Hélicoptère. Et mon dernier mot à moi sera biscuit de Noël, parce que j'en ai sous les yeux. Oui. Ça vous donne peut-être un indice sur le moment où on enregistre tout ça. C'est étrange, mais c'est comme ça. Merci. Prenez bien soin de vous, surtout par les temps qui courent. Et à très bientôt. Bisous.